Et c'est parti. On va revenir doucement sur nos tapis, aux hisses. Et on va venir tranquillement réveiller notre corps. On va laisser les épaules détendues. On va garder le ventre long. Toujours dans sa respiration. On retrouve notre inspire, notre expire, légèreté des genoux, des épaules et longueur du corps. On vient doucement à l'avant des tapis, puis tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chaturvi. Hansha. Enchata. Toujours prenez le temps de ressentir un petit peu votre corps, de réveiller un petit peu le corps est de rester toujours présent dans la respiration. Inspire doucement, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Ndwe. Twini. Chatwari. Hansha. Enchata. On recherche toujours la légèreté du corps, la détente ici des épaules. Le ventre est long, le poids, on essaie de ne pas le garder trop sur les bras. Donc, on recule un petit peu les épaules, on garde les bras longs et on sent l'appui sur toute la main. On essaie d'activer les bras, côté des côtes. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Eka. Ndwe. Twini. Chaturvi.
Ancha. Enchata. On va laisser la jambe droite s'allonger. Et puis, expire, genou vers la poitrine, la tête vers le genou. Inspire. On essaye de rester en chien tête baissée. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on tend et on repose jambe au sol. Même chose de l'autre côté, jambe gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on tend. Et on repose pied au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samasthiti. La dernière, Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enshata. Doucement, on va placer pied droit entre les mains. Inspire, Virabhadrasana 1. Toujours longueur du corps. Virabhadrasana 2. On revient main vers le sol. Chaturanga. Exhale. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Pied gauche. Inhale. Virabhadrasana 2. On revient Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale. Inspire doucement, pied entre les mains. Expire. Inhale. Samasthiti.
Jambe droite en arrière. Inhale, on tourne les pieds. Exhale, main droite à l'intérieur de la jambe droite, Trikonasana. Inspire, we lift. On tourne les pieds, Trikonasana de l'autre côté. Inspire, we lift. On tourne les pieds à nouveau. Reverse triangle. Main droite, main gauche à l'extérieur ou à l'intérieur de la jambe droite. Inhale, we come up. On tourne les pieds. Reverse triangle ici. On revient doucement redresser le corps, pied droit en avant et on revient juste à l'avant des tapis. On continue, jambe droite en arrière, on plie le genou droit et on vient placer la main à l'intérieur de la jambe droite. Le bras gauche dans la lignée de la jambe gauche et laisser fondre le bassin. On vient doucement redresser le corps, vous tournez les pieds et on reviendra main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Le bassin bas, on va laisser le bras droit dans la lignée de la jambe droite. Inspire, on redresse à nouveau. On vient plier le genou droit, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, on vient redresser le corps. On tourne les pieds à nouveau. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, on revient redresser le corps et on revient pied vers l'avant. Inspire, on vient. Prasarita Padottanasana. Un écart raisonnable. On va ramener les mains vers le sol et on va laisser le corps s'étendre. Les mains reculent. Les coudes se plient, on aligne les mains avec les talons.
On repose les mains devant nous, on redresse le corps à mi-parcours. On viendra main gauche sur le pied droit, main droite sous le bras gauche et on va laisser le corps tourner à gauche. On revient doucement vers le centre. On va placer main droite sur le pied gauche et la main gauche qui vient attraper la jambe droite. On tourne le corps à droite. On revient doucement vers le centre. On vient doucement redresser le corps, les mains sur les hanches. On va laisser les mains derrière le dos. On va laisser les épaules reculer. Et on va revenir flexion en avant. Les bras s'étendent au-dessus du dos. On vient doucement redresser le corps. On redresse jusqu'en haut. On relâche les mains. On laisse les mains glisser le long des jambes. On va venir attraper les orteils ici. On va garder les coudes qui s'ouvrent sur le côté. Les épaules détendues, la nuque est légère. On laisse le haut du dos se détendre. Inspire doucement, on vient redresser le corps et on revient tranquillement à l'avant des tapis. On vient en appui sur la jambe gauche, on va venir attraper l'orteil du pied droit et on va laisser la jambe s'allonger. On va laisser la jambe s'ouvrir à droite, le regard à gauche. On revient doucement la jambe vers le centre et on revient juste trouver notre équilibre. On relâche la main. On plie le genou, on repose pied au sol. On vient doucement en appui sur la jambe droite et puis on vient attraper l'orteil du pied gauche. On sent longueur de la jambe, on laisse le dos long. On va laisser la jambe s'ouvrir ici, le regard vers la droite. On revient doucement la jambe vers le centre. On relâche ici. On plie le genou. On repose pied au sol. Inspire doucement, main vers le ciel.
Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chaturi. Hansha. Enchata. On va venir doucement, grande planche, puis on va venir poser le corps au sol. Vous allez garder les mains sur le côté. Inspire, on vient soulever cage thoracique. On serre les omoplates. On active un petit peu les jambes. Les fessiers sont forts. Expire. On revient doucement vers le sol. Inspire. On revient une fois encore, redresser upper body. Les épaules reculent, le bassin actif. On revient doucement au sol. On tourne les orteils, on vient doucement soulever le corps ici. Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On va venir placer le pied droit entre les mains, mais avant, vous pouvez prendre un bloc si vous voulez. On peut travailler avec un bloc d'ailleurs, on peut travailler avec les deux. Les deux blocs, si on utilise les deux blocs, c'est pour soutenir un petit peu le corps. Et puis, laisser la hanche gauche reculer et garder le genou droit plié. On travaille le grand écart. Mais le grand écart, ce qui nous intéresse, c'est le travail de la hanche gauche. L'autre version, c'est que je peux travailler avec juste un bloc et je cale le bloc peut-être un petit peu plus haut, sous la cuisse. Ça me permet de détendre la jambe droite et de travailler la hanche. Après, petit à petit, peut-être que le bloc vient un petit peu plus bas. Donc, au choix, vous laissez les blocs pour les mains ou vous venez travailler avec un seul bloc et vous venez travailler longueur de la hanche gauche. On revient doucement, hop, ramenez jambe droite en arrière, le bloc sur le côté. On revient, chien tête baissée. Petite pause ici, on peut bouger le bassin, on relâche un petit peu le corps et on viendra, même travail, pied gauche entre les mains. Et puis ici, au choix, soit je vais me servir des deux blocs. Pour les mains, je vais laisser le pied gauche s'avancer et on va rester sur la longueur de la hanche droite. Soit à un moment donné, je veux détendre un petit peu la jambe gauche, je peux caler un bloc sous la cuisse. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on va laisser le bloc baisser. Je garde toujours mon pied gauche plié, mon genou gauche, pardon, plié. L'avantage du bloc sous la cuisse, c'est que ça permet de détendre la jambe gauche. Mais le plus important, c'est le travail de la hanche droite. Allez, on revient doucement en arrière. On revient tranquillement, chien tête baissée.
On retrouve légèreté du bassin. On n'hésite pas à bouger un petit peu les genoux. On va venir à nouveau s'asseoir sur les tapis. On peut placer genoux au sol et venir doucement en dandasana, les jambes devant nous. Le corps est long, toujours les épaules détendues. On prépare déjà la longueur du corps. Et puis tranquillement, Paschimottanasana. On va laisser le corps venir en avant. On va penser à reculer les épaules toujours. Le ventre est long. On cherche toujours ce petit moment pour soulever un petit peu les fessiers. Pour essayer en tout cas d'alléger les fessiers et laisser le corps s'étendre vers l'avant. On viendra doucement redresser le corps. On vient plier le genou droit, main gauche sur le genou droit, on va laisser le corps tourner à droite. Plus ça va, plus vous allez laisser le coude se positionner à l'extérieur du genou. Et vous allez essayer d'étendre un petit peu plus. Donc, on a un petit peu plus une diagonale. Les deux fessiers bien ancrés. Mais plus ça va, plus je vais essayer de rapprocher mon corps pour l'aligner à ma jambe droite. On revient doucement de l'autre côté, on relâche les jambes, on plie le genou gauche, main droite au départ sur le genou et on va laisser le corps tourner à gauche et ça va être, eh bien, tranquillement, progressivement. On va laisser ici le coude se caler à l'extérieur de la jambe gauche. Donc on continue. Le corps reste long, mais en même temps, j'essaye d'étendre le corps pour aligner les côtes avec la jambe gauche. On revient doucement vers le centre. On va venir Janusirsasana. Faites attention aux genoux, pas de douleur dans les genoux. N'hésitez pas à caler un bloc sous le genou pour le soutenir. Et puis, pareil, on va laisser hanche droite reculer un petit peu. On veut garder longueur autour de la hanche gauche et on laissera le corps venir flexion en avant. Ici, c'est un petit peu la même logique que je vois. Dans l'idée, vous voulez vraiment alléger un petit peu les fessiers. Donc, on a cette sensation, là, j'exagère évidemment le mouvement, mais on a un petit peu cette sensation de vouloir soulever un petit peu le bassin pour notre flexion en avant. On va garder le corps bien long, on laisse le dos long. Et on sent la longueur autour de la hanche gauche. Et on va essayer de garder le corps le plus long possible. Et donc, il y a cette sensation d'alléger un petit peu le bassin, de soulever légèrement le fessier pour notre flexion en avant. On va venir redresser le corps. On va poser le pied gauche au sol. On va laisser un petit espace entre le pied et la cuisse droite. Et puis,
On va venir main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, si vous êtes confortable, on peut laisser les bras sur le côté. Les bras sur le côté, c'est pour nous aider à tendre le corps un peu plus en avant. Si vous êtes vraiment à l'aise et que vous voulez interlacer les mains derrière le dos, vous pouvez. On reviendra doucement redresser le corps. On relâche cette jambe. Et puis, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Pareil, pas de douleur dans le genou droit. Longueur autour de la hanche droite parce qu'on va venir doucement flexion vers l'avant. N'hésitez pas à vous aider les mains derrière le dos. Le corps vient en avant, puis petit à petit, les mains reviendront vous aider à garder le torse bien long. On revient redresser le corps et puis on va reposer le pied droit au sol. Je laisse un petit écart entre le pied et la cuisse. Et puis main droite à l'intérieur ou bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On va laisser le corps flexion en avant et la jambe droite qui reste ici. Essayez de garder le genou droit vers l'épaule et de ne pas laisser le genou droit trop s'ouvrir à droite. Et puis, comme tout à l'heure, soit on peut placer les mains devant nous, mais l'idée des mains devant, c'est vraiment, enfin sur le côté, les mains, c'est d'étendre le corps vers l'avant. Évidemment, si vous êtes bien et que vous voulez les bras derrière les jambes, allez-y, hein. Bras derrière les jambes, c'est possible. On viendra doucement redresser le corps, on viendra relâcher la jambe droite, on détend un petit peu les genoux, les jambes ici. Le dos bien long, on retrouve longueur du dos. Légèreté sur le bas du dos. On viendra tranquillement, pied droit au-dessus du genou gauche. Et on continue à travailler les ouvertures de la hanche droite. Ici, les orteils contre le mollet, souvenez-vous, caler un bloc ou même soutenez la jambe droite avec la main droite. Ça évitera d'écraser le genou gauche. L'idée, c'est d'essayer d'activer un petit peu nos fessiers et de travailler l'ouverture des hanches. On peut laisser les mains derrière le dos. Si vous êtes confortable, flexion vers l'avant. On vient doucement redresser le corps ici. On va relâcher la jambe droite. Et puis on repose pied gauche au-dessus du genou droit. Pareil, soit je mets un petit bloc pour tenir mon talon, soit c'est la main gauche qui va venir ici soutenir la jambe. Et puis toujours l'ouverture, j'essaye
d'activer les fessiers et de retrouver le mouvement de la jambe qui s'ouvre ici. Comme tout à l'heure, on peut laisser le corps venir en avant. On fait attention, quand on vient vers l'avant, c'est plus intense pour la jambe gauche. On vient doucement redresser le corps, on vient relâcher la jambe gauche ici, on détend les jambes, les épaules détendues. On va venir doucement, peut-être demi-bloc ou pas de bloc. On va venir Baddha Konasana, les pieds, plante de pied contre plante de pied. Comme ça, on continue sur l'idée hein, de cette ouverture des hanches. On veut garder le corps long, les mains derrière le dos ou bien les mains qui attrapent les pieds. Et puis, comment activer l'extérieur des jambes pour laisser les jambes descendre, baisser. En même temps, garder le dos bien long. Si vous sentez que c'est possible, on va laisser le corps venir doucement vers l'avant. On revient doucement, redresser le corps et puis on va basculer doucement vers l'arrière. On va venir attraper les orteils et laisser les jambes se tendre. On peut ici relâcher jambe droite, essayer de garder la jambe droite où elle est. Revenir attraper l'orteil. Relâchez la jambe gauche, rattrapez l'orteil et puis relâchez les deux jambes et venir doucement, laisser les talons venir au sol et laisser le corps venir flexion en avant. On va toujours chercher la longueur du ventre avant de penser à poser la tête au sol. On va chercher à reculer un petit peu nos épaules. On reviendra doucement redresser le corps. On viendra plier les genoux, vous ramenez les jambes vers vous, vous laissez les coudes autour des genoux. On viendra un petit peu travailler sur les avant-bras. Cette fois-ci, on essaye de ne pas poser la tête au sol et on va juste travailler la longueur des jambes. Au départ, on va venir tranquillement laisser le bassin monter. Et on va juste avancer les pieds pour trouver notre zone de confort. On essaye petit à petit d'aligner le bassin avec les épaules. Et donc, pour ce faire, on va venir tendre une jambe.
On essaye de sentir la longueur de la jambe. Et puis l'impact évidemment sur les épaules, résistance des bras, l'ancrage des bras, les avant-bras poussent contre le sol. Petite pause, on revient ici, peut-être sur les genoux, et on fera la même chose de l'autre côté. On avance les pieds et on viendra tendre une jambe. On revient doucement, genoux posés au sol. Petite pause ici, le bassin en arrière. On relâche les épaules. On peut venir point sur point, poser la tête sur les poings ou sur les mains. On relâche les épaules. Même exercice, cette fois-ci, la jambe qui reste au sol, vous essayez de la monter sur la pointe des orteils. On revient doucement ici. On avance les pieds et puis on va laisser la jambe ici monter. Et là, celle qui reste au sol, je vais essayer de l'alléger et de monter sur la pointe des orteils. Trouver juste des tout petits mouvements pour essayer d'alléger le pied qui est au sol. Mais c'est tout petit comme mouvement. L'idée de monter sur la pointe des orteils. Pause ici. Et une dernière fois de l'autre côté. On vient doucement tendre l'autre jambe et on essaye de basculer sur la pointe des orteils. On observe le travail des cuisses et on revient genou au sol. On revient point sur point, la tête posée sur les poings. On détend la nuque. On viendra travailler avec les blocs pour les omoplates. Donc, on prend deux blocs. Ça peut être un pour la tête, un pour les omoplates. On va venir doucement caler les blocs ici derrière nous. Et puis, on va venir doucement juste garder cage thoracique ouverte. On va laisser les épaules se détendre. On viendra doucement redresser le corps, aidez-vous des mains. On fait attention au bas du dos, on n'écrase pas nos lombaires. On va venir travailler l'idée des ponts, mais on va travailler tout d'abord les demi-ponts. On va venir sur le dos. On va laisser les pieds au sol, les genoux pliés.
Et puis, on va travailler un peu le bassin. Inspire les bras au-dessus de la tête, ou pas d'ailleurs. Et puis, on vient tranquillement soulever le bassin. Puis, on va laisser les hanches monter. Et on va laisser l'appui sur les pieds, les hanches qui montent. Et on va laisser les hanches monter encore. On revient doucement reposer bassin au sol. On va faire le même exercice cette fois-ci. Les mains vont venir s'interlacer sous les fessiers. Et comme ça, on va travailler aussi l'ouverture de la poitrine un peu plus. Donc, on commence, le bassin monte, on vient interlacer les mains, on serre les omoplates, et puis on travaille montée du bassin, la poitrine vers le menton. On revient, poser bassin au sol, on relâche les bras, les épaules, on détend les épaules, on détend la nuque. Au choix, vous pouvez continuer à travailler sur les demi-ponts ou si vous avez envie d'essayer de placer les mains sur le côté, on peut placer les mains sur le côté et puis voir si on peut soulever le corps ici. Hein, tout en douceur, bien sûr. Inspire et puis tranquillement. On revient doucement, poser bassin au sol, on relâche les mains, les poignets. On relâche le corps. On peut venir doucement genoux vers la poitrine, les mains autour des genoux. On va laisser la jambe gauche venir au sol. On va laisser jambe droite vers le ciel, les mains derrière la cuisse. Inspire. On va soulever la tête vers le genou droit. On revient doucement au sol. Et puis, on va laisser la jambe droite se rapprocher vers nous et on va laisser longueur de la jambe droite. En même temps, on sent la longueur de la jambe gauche. Hein. La jambe gauche, elle s'étend aussi. On revient relâcher jambe droite, genou gauche vers nous. On va changer de côté, les mains derrière la jambe gauche. Et puis, on va laisser la tête se redresser comme si on voulait venir vers la jambe gauche. On revient doucement, poser les épaules au sol. On va laisser la jambe gauche longue, on va laisser juste la jambe droite s'étendre aussi et on travaille longueur de la jambe gauche.
On va revenir plier genou gauche, genou droit vers nous. On va tranquillement laisser soit juste les jambes monter vers le ciel, soit on va venir en chandelle, soit aussi vous pouvez caler un bloc sous le bassin et avoir les hanches un petit peu plus hautes que le cœur. On cède des mains, on revient doucement sur le dos, on plie les genoux et vous allez garder les genoux, alors prenez une pause, et vous gardez les genoux à mi-parcours, donc à 90. On peut laisser les bras le long du corps ou au-dessus de la tête. Expire, jambe droite qui s'allonge. Inspire, le genou revient. Expire. Essayez de garder les genoux un peu loin de la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Petite pause ici. On pose les pieds au sol. On revient. Pour travailler un petit peu bas du ventre, on va laisser les jambes s'allonger vers le ciel et puis tranquillement, expire, jambe droite descend. Inspire, elle remonte. Expire, gauche. Inspire. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et gauche. Petite pause ici. On plie les genoux. On repose les pieds au sol. Les épaules détendues à nouveau. Et puis doucement, on va laisser juste les jambes revenir donc en suspension, puis expire sans bouger les côtes, les genoux viennent à gauche. On reste ici, on cède du bras gauche.
On essaye d'allonger le ventre, de sentir les jambes qui bougent à gauche pendant que le corps, les épaules restent au sol. On revient doucement vers le centre. Et puis, on va laisser les genoux venir à droite et le corps, les épaules qui restent à gauche. On reste ici. On revient doucement vers le centre. On repose pied au sol. On va laisser les bras, les épaules détendues. Et on va laisser les jambes s'allonger, se détendre aussi quelques instants. On expire par la bouche, on relâche toute résistance. On viendra doucement s'aider des mains. On reviendra tranquillement s'asseoir sur les tapis. On retrouve un petit moment ici. Le corps bien long. Position assise confortable. Doucement, les mains placées ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.